La Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Avec la technique de la Blitzkrieg, c'est-à-dire de la guerre éclair, définie comme des attaques très rapides de l'armée d'Hitler, qui utilise en même temps les chars blindés et les avions, Hitler parvient à occuper une grande partie de l'Europe. Le Danemark, la Norvège, puis la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Seul le Royaume-Uni lui résiste. Hitler lui impose alors un blocus. En Asie, le Japon, allié des nazis, on le rappelle, a conquis d'immenses territoires en Chine et dans l'océan Pacifique. Notez également que les colonies européennes participent au conflit, ce qui accentue cette dimension mondiale du conflit.